Bonjour, monsieur. Ah, c'est toi. Regarde-moi la tête que tu donnes. Je suis sûr que tu t'es allé voir toutes tes femmes la nuit dernière. Hein? Vas-y. Oh, patron, voici les journaux. Alors, qu'est-ce qui est à la une aujourd'hui? Oui, ça parle du meurtre. Alors, qui est cet homme? C'est toi. Enfoiré. Et tu as affaire au fait infernal. Je m'appelle Chris, et voilà que mon véhicule m'a fait l'ombre le jour de mon anniversaire. Je possède 9 comptes bancaires et aucun d'eux n'a moins de 2 millions de dollars. Je n'investis nulle part, juste parce que je ne veux pas être dérangé. Je suis un grand homme riche, j'ai des hommes à l'interne tout comme à l'externe qui travaillent pour moi. Les politiciens me craignent et toutes les banques me traitent de démons. Tous les hommes au pouvoir me protègent et même lorsque je me retrouve dans des installations de police, je suis toujours protégé. Et me voici ce matin, arrivé à cet endroit. Je vais devoir recevoir de balles de ces vendeurs de journaux. Eh ben, ce sera une très longue histoire. Alors, c'est bon. Alors, il faut l'emporter. Non, mon cher. Emportons-les vite.
Je suis pas né au nom de Cross. Mon vrai nom est Cyprien. Et Cyprien Idriss. Dans tout ce que j'ai fait sur les affaires, personne ne me barre la route. À tous ceux qui ont essayé, leur corps ont fini par se retrouver sans vie. À l'entrée des jeux, tout celui qui essaye de douter que je m'appelle Cross finit par mourir. Et ça, tout le monde le sait. Et tout celui que je connais m'appelle Cross. Et ce nom m'a été donné depuis un moment. Et qu'est-ce que je fais pour vivre? Comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent? Oh, voilà un peu ce que je fais. Cross, je suis tes cherches en ligne depuis la France. Et sur quelle ligne sont-ils? Ligne 2. Et salut, je suis... comment tu vas? Et s'il te plaît, donne-moi 2 secondes. Je veux poursuivre cette conversation en privé. Pardon? D'accord. Oui, je suis. C'est comment là-bas? C'est toujours idem comme hier. Je pense que tu es au courant du dossier du gouvernement qui s'était fait il y a 2 semaines passées. Bonne nouvelle. Alors, continue. Il y a notre ami qui venait de Monaco. C'est un homme d'affaires. 3 heures après, une somme de 3 millions de dollars a été versée dans un compte qui est dans sa société. Est-ce que ce transfert est officiel ou informel? Ce transfert est officiel. C'est par le gouvernement. Ce compte appartient à une société du gouvernement. Ce n'est pas un compte privé qui peut être déplacé. C'est un compte de transaction d'affaires. Alors, c'est parfait. Je veux que tu me passes les détails de ce compte. Je parlais du nom, du numéro ainsi que de la balance. Voir les détails du transfert ainsi que tous les autres détails. Et aussi, ainsi que le nom de la banque qu'on a utilisée. En noir et blanc. Ok, je te l'envoie dans quelques minutes. Juste le temps pour moi de finir ce que je suis en train de faire. D'accord? Ok, merci. C'est bien. Alors, essaye de confirmer le dépôt de 200 000 dollars dans mon compte, d'accord? Excellent travail de ta part, Joshua. Alors, je te laisse. À plus. Oui, James, je voudrais que tu transfères 200 000 dollars dans le compte de Joshua. Fais-le rapidement. Oui, qui est là? Bonjour, monsieur. Oui. Monsieur, il y a un monsieur Chris à la réception qui est en train de vous attendre. Et il vient, pourquoi? Il a dit que c'est pour un business officiel qui demande une attention personnelle.
une attention personnelle. Ok, ok. Laissez-le entrer, laissez-le entrer. Ok, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue, monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Je vous prie, prenez place. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Vous ne pouvez pas fumer ici. Et pourquoi pas? Hein? Et pourquoi est-ce que le sénateur était venu la fois passée? Le sénateur Guédard Ousmane. Pourquoi avait-il fumé? Je vous demande pardon. Oh, ne fais pas l'ironie, tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Hein? Nous fumons la même cigare. Quand il était ici la fois passée, lui avais-tu demandé de ne pas fumer? Bien sûr que non. Je n'ai aucune idée de ce dont vous faites allusion. Sinon, comment puis-je vous aider? La tournure n'est pas du tout bonne. Tu devrais demander comment est-ce que je pourrais t'aider. C'est toi qui risques la prison, pas moi. Est-ce une blague? Avec 20 millions de Naira qui ont été transférés de ta banque à une banque anonyme à Monaco en France, et ce pour des raisons non officielles. Alors je pense que ça, ce n'est pas une aventure, Monsieur Austin. Je ne sais même pas comment vous avez eu toutes ces informations. Mais laissez-moi au moins vérifier ce... Tout ce dont la banque centrale a besoin, c'est de te foutre en prison et fermer les portes de toute cette banque. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est de pouvoir clouer le gouverneur pour qu'il soit reconnu coupable de vol, fraude et détournement. Et regarde ce qu'il y a dans le dossier. Comment avez-vous eu ceci? Une question stupide. Jette un œil sur toutes ces choses avant que tu ne résolves ma demande en 3 jours. Bien, voici le numéro de ce compte. Je veux qu'un transfert se fasse dans ce compte venant du gouvernement. Est-ce que tu me comprends? Toi et le gouvernement ont travaillé ensemble. Une fois fait, vous n'aurez plus jamais à entendre de moi jusqu'à ce que... vous osiez encore effectuer un transfert illégal. Écoutez, jeune homme, vous ne savez pas du tout à qui vous avez affaire. Je connais votre genre. Vous ne pourrez jamais nous faire chanter le gouverneur et moi. Excellent. J'apprécie votre adresse, Monsieur Austin. Alors, je suis sûr que tu es capable d'expliquer tout ceci à la Commission économique et financière et aussi à la Banque centrale. Sois prêt alors, Monsieur Austin, ils viendront vers toi. Je te promets de fermer les portes de cette banque une fois que ma demande n'est pas exécutée dans cette période de 3 jours. Bonne journée. Allô? Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me mettre en contact avec l'excellence? Oui. Austin de la banque locale. Dites-lui que c'est vraiment urgent, très très urgent. Austin à l'appareil, monsieur. Oui, Austin. Monsieur, il y a un problème ici, monsieur. Exact, je dois vous voir. Pas de problème, je prends le prochain vol, monsieur. Oui, monsieur. Ok, monsieur. Chief, je vous salue, monsieur. Oui. Je dois me déplacer, j'ai besoin de sécurité. Je dois aller à l'aéroport maintenant. Oui, merci. Voilà mon business. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Tous ces gens qui m'entourent sont bien payés.
Mes collaborateurs me prennent pour un ange. J'ai une liste très longue de gens que j'ai à faire chanter. Des ministres, des gouverneurs, des députés, ainsi de suite. J'ai toutes les informations pour les faire quitter de haut en bas. J'ai fait tout comme bon me semble. Et ceux qui cherchent à me tuer finissent par mourir en premier. Parce que mon réseau de sécurité est super puissant. Alors ça c'est pour toi. Merci monsieur. Monsieur Edmond. La dignité en personne, l'homme du moment. Ouais, c'est moi. Alors, j'apprécie tout le travail que tu fais pour moi, d'accord? C'est vous le boss. Vous avez ma loyauté, n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Encore une fois, merci. Merci, mon grand. Monsieur Roméo, passe-lui l'échec. Je suis là. C'est vraiment merveilleux. Alors, mon grand. Monsieur. Merci beaucoup pour le travail accompli. Très bien, monsieur. Alors, je compte sur toi. Merci, monsieur. Monsieur Bazin. Monsieur Bazin, et à combien revient ton salaire de base? Elle revient à 5 000 naira, monsieur. 5 000 naira. Sur ces chèques, c'est suffisamment de l'argent te permettant de pouvoir faire toutes tes dépenses. C'est le triple. Merci, monsieur. Je t'en prie. Merci. Madame Maria. Alors, à combien revient ton salaire? 10 000 naira. Alors, il s'agit ici des 300 000 naira. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Madame Ifoma, tiens comme ça. Ifoma, une très très belle femme. Alors, merci beaucoup pour ta contribution. Merci, monsieur. Monsieur Dozier Eke. Dozier. Monsieur. Ce garçon aime beaucoup l'argent. Merci pour ton travail. Fais-en un bon usage. Ah, merci, monsieur. Je t'en prie. Madame Mbano. Madame Mbano. Je comprends que tu es une très bonne fille et tu fais une très bonne femme pour ton mari. Assure-toi de pouvoir te donner à ton mari, d'accord? Alors, merci beaucoup. Alors, à tout un chacun d'entre vous, je voudrais particulièrement vous remercier tous pour votre contribution dans notre organisation. Et je vous assure que vous l'avez très bien fait et moi, j'ai apprécié. Je me prépare à vous trouver, à tout un chacun d'entre vous, une demeure. Une demeure aussi somptueuse pour tout un chacun d'entre vous. Où vous avez la liberté de venir avec vos copains, vos copines, vos concubins, vos hommes, vos femmes, ainsi de suite. Alors, je vous rappelle que toute cette charge sera sur moi. Je vous aime bien. Alors, félicitations. Merci, monsieur. Toutes mes félicitations, mesdames et messieurs. Merci. Oh, mon ami, ravi de te voir. Félicitations, mon pote. N'oublie pas de m'appeler. Félicitations, les gars. On a vraiment assuré. Notre patron, c'est le meilleur. J'avais tellement peur, je te dis. Sérieux. Mon frère, je t'ai dit, c'est vraiment une vraie machine à souffle. Ce sont des genres d'affaires qu'on ne peut jamais abandonner. Imagine que cette enveloppe qu'on a gagnée, c'est avec cette somme. Imagine que qu'on a déjà 500 millions. Et ce qui est plus important dans tout ça, à l'espace de 2 ans, tu es en train de retourner tout ton argent à la banque. Je ne suis pas un homme d'affaires de ce genre de business, André. Mais pourquoi tu ne veux pas te focaliser dans un seul business, mon frère? Tu sais que ça paie à 100%, mon frère. Je n'aime pas ce genre de business d'hôtel. Je n'ai pas le temps de tout suivre, d'accord? Tu ne le veux pas? Ce que tu peux faire, c'est juste l'investissement et c'est fini. Tu sais que nous sommes... Ami, il y a de cela beaucoup d'années. Nous gagnons beaucoup d'argent et je voudrais que tu investisses dans quelque chose que je maîtrise très bien. Tu es un homme d'affaires. Il faut investir dans ce qui paye très bien.
Il y a une chose que tu n'as jamais comprise, Henry. C'est que les affaires légales ne rapportent absolument rien dans ce pays. C'est ce que tu penses? Je le sais. C'est un moyen de survie de minable. Ok, pas de problème. Alors, est-ce que tu peux me dire que si les business d'hôtel rapportaient beaucoup d'argent, et pourquoi ces hommes seraient toujours ici en train de travailler? Ces messieurs ne résident pas au pays. Ces messieurs résident à New York. Si tu voyages à New York, tu vas trouver le même hôtel. C'est un peu ça. Ok, tu vas acheter cet hôtel, d'accord? Bien sûr. D'accord. Alors, on va l'acheter. Nous devons contacter ces messieurs. Je te promets que tu ne le regretteras pas, ok? Mon cher, cherche une autre fille. Celle-ci n'est pas de ton niveau. Comment est-ce que tu le sais? Est-ce que tu la connais? Je la connais. C'est une pute. Vraiment à tout prix. Elle court que derrière l'argent. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Oublie un peu son histoire. Nous devons aller voir le patron de cet hôtel. Il nous attend pour la réunion. Tu sais ce qu'on doit faire? On doit aller pour sécuriser l'affaire. Ok, je le ferai. Excusez-moi? Assieds-toi, femme. Je dis, assieds-toi. Je refuse de m'asseoir. Qu'est-ce que tu lui dis? Pour qui me prends-tu? Vas-y, dis-moi. C'est quoi avec toi? Je fais ce qui me semble bon. M'as-tu entendu? Je fais ce que je veux. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu n'as pas oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Hein? Je n'ai rien oublié, elle a dit. Et je n'ai pas aussi oublié comment est-ce que tu m'as supplié toute la semaine en t'agenouillant. Tu dois avoir le temps de bien réfléchir, toi. Regarde-toi, un homme est honté. Tu ne sais même pas tenir pendant un temps. Hé! Hey, n'ose pas m'insulter. Quand est-ce que moi, je t'ai frappé? Regarde-moi ça, là. Moi? Enfin, tu n'es rien du tout. Moi? C'est à moi que tu dis ça? Stupide! Voyons voir ce que je peux faire à une personne comme moi. Idiot, insensé. Hé! Hey. Quitte-la. Et c'est alors que mon cœur a pu la choisir. Et là, en elle, la confiance de soi. Elle n'a jamais peur. D'après moi, le critère que toute femme doit avoir pour retenir mon attention, elle l'en a. Il n'y a plus aucun doute autour de ça. Tel est le début d'une histoire. Voilà comment je suis tombé amoureux d'elle. Et tout ce qui m'entoure est tombé avec moi. J'arrive. Bonjour, patron. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci.
Oh, tu es déjà là? Il y a quelque chose qui t'amène ici. Je suis en train de sortir. Ça peut attendre demain. Non, ça ne peut pas attendre demain, c'est important. Alors, écoute, j'ai un rendez-vous à honorer, donc ça doit attendre jusqu'à demain. Au lieu de t'engager aux affaires, tu t'engages à la femme. Tu prends presque tout ton temps, et ce n'est pas bien pour les affaires. Je l'aime beaucoup, Henri. Je l'aime beaucoup, ok? Je l'aime beaucoup. Alors, et ça doit attendre jusqu'à demain. Ça doit attendre jusqu'à demain? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Monsieur, nous devons nous engager aux affaires. On le fait demain, Henry. On le fait demain. Je passe de très bons moments avec toi, tu sais. Vraiment? C'est bien. Je sens comme si je t'ai connu il y a très longtemps. Sérieusement, je me sens très bien avec tes appels. Je n'arrive plus à en manquer même une fois. Très heureux de l'entendre. Alors, tu sais quoi? C'est chaque moment et chaque minute que je passe avec toi. Laisse-moi te dire que tu le mérites. Et parlons du temps. Je suis en train de pressentir les menaces de quelqu'un. On peut peut-être tirer sur moi ce jour ici. En tout cas, c'est vrai ça. Ben, c'est parce que son homme passe du temps avec moi. Bien sûr. Non, personne ne le fera. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire qu'il n'y a personne? Donc il n'y a personne à la maison? Et tu t'attends à ce que je l'accepte? Tu sais, il y a des très petites choses que tu n'as jamais apprises sur moi, d'accord? Voilà. Il y a vraiment des filles. Je ne peux pas nier qu'il y a eu des filles dans ma vie. Hein? La triste vérité, c'est que je ne sais même pas si j'ai pu les connaître dans ma vie. Mais avec toi, j'ai comme l'impression que c'est très différent. Hein? Ça va beaucoup trop loin avec toi, tu sais. Parfois, tu commences à pénétrer ma profonde admiration, est-ce que tu trouves? Hey, tu as dit quelque chose à propos de l'incident qui s'était passé au restaurant. Je ne me rappelle plus, vas-y. Oui. Et ça, ce n'était qu'une pure magie. Alors écoute, j'ai quelque chose de très bien pour toi, mais avant que je ne puisse te les donner, je ne veux pas que tu trouves ça comme une offense. Je l'avais gardé ici, attends. Voilà, c'est pour toi. Écoute, je ne veux pas que tu puisses penser que c'est une offense. Ne pense pas que je suis en train de chercher à tes sous-doigts. Hé, attends, s'il te plaît. Tu viens de me donner un chèque de 500 000. Oui, je voudrais que tu t'achètes des habits et que tu ailles dîner quand tu le veux, d'accord? Merci. Tu es très gentil, merci. Et je suis également heureux, très content pour toi. Attends, je vais te faire du bien. Je vais te donner à manger. Alors, d'accord. Voyons. Qu'est-ce que tu sais très bien faire?
Alors, c'est délicieux. Alors, peux-tu t'asseoir pendant que je te cherche à boire? Non, merci. C'est juste que je viens t'accompagner. Maintenant, je dois déjà partir. Bien. Merci pour tout. Je me suis très bien amusée. Moi, je vais essayer de partager. Ok. Porte-toi bien. Tu étais sorti avec lui, n'est-ce pas? Tu étais avec lui toute la journée. Ah, arrête ça, chérie. Ne sois pas jaloux. Tu sais que je t'appartiens. Peu importe qui c'est, je suis à toi. Si tu m'aimes comme tu dis, alors garde ta tête dans le business. Écoute, Hélène, j'ai besoin d'argent pour commencer le contrat dont je t'ai parlé la semaine passée. Steve, je sais que tu es capable de tout. Désolé de le dire, mais c'est ce que tu es. Ça, c'était avant. Je te promets que cela n'arrivera plus jamais. Je crois en mon cœur. Cela n'arrivera plus jamais. Ce moment t'appartient. J'ai besoin d'un très bon business pour toi et moi. Bien. Chris m'a fait un chèque de 500 000 Naira. Waouh. Je mettrai 400 000 dans ton compte dès que j'en aurai demain. C'est d'accord. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. As-tu mangé? Je suis sûre que tu as très faim. Laisse-moi te faire un truc. Rapidement, j'arrive. Très bien. Je t'attends ici, chérie. 400 000 Naira dans mon compte. Mon pote, pourquoi toute la maison est calme? Mais je te vois inquiet. C'est quoi le problème? Il y a un idiot qui a essayé de me tuer la nuit passée dans un restaurant. Quoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'est passé n'est pas très important. Le plus important dans cette affaire, c'est que toi, tu devrais assurer ma protection. Comment je pourrais assurer ta sécurité, sachant que tout ce que tu fais, c'est en faveur d'Hélène? Tu ne fais plus les affaires à cause d'elle. Tout ce que tu fais, c'est à propos d'Hélène. Comment je pourrais assurer ta protection? Pour la toute première fois dans ma vie, Henry, je suis tombé amoureux d'une fille. Et toi, tu es censé me soutenir dans tout ce que je fais. Tu veux dire te soutenir? Vraiment te soutenir? Au moment où tu t'exposes déjà à cette femme, je peux dire tu es méconnaissable. S'il te plaît, pros, laisse cette femme tranquille. Laisse-la tranquille, même si elle décide de partir, qu'elle parte. Dois-je la laisser tranquille? Mais oui. Es-tu en train de me demander de la laisser tranquille? À combien de reprises te dirige toi, Henry, que j'aime cette femme? Je l'aime! Alors? Et je vais l'épouser. Quoi?
Mon cher, est-ce que tu réfléchis normalement? Mon cher, cette femme est exposée au public. Je peux te citer un bon nombre d'hommes qui sortent avec elle. Et quel est ton avis? Mon avis est qu'elle est prostituée. Elle ne te mérite pas. Henry, comment est-ce que tu définis une prostituée? C'est simple. Grosse, elle couche avec les hommes pour l'argent. Je te l'ai dit clairement, il faut l'abandonner. Elle te suit pour l'argent. Tu sais quoi? Laisse-moi te dire quelque chose, Henry. Il y a des femmes partout d'ailleurs. Beaucoup de femmes. D'accord? Et qui pensent être décentes. Il y a des celles-là aussi qui vont d'un homme à un autre, d'un lit à un autre, d'un bureau à un autre, d'un hôtel à un autre, qui amènent ces gens à se sentir comme si ils étaient le seul homme dans leur vie. Et il y a d'autres femmes aussi qui s'affirment, qui disent « Oui, je suis une professionnelle du sexe. » Elles ne font pas semblant d'être décentes parce qu'elles ne sont pas hypocrites. Alors, s'il te plaît, dis-moi, qu'en est-il de ton avis? Parce qu'à la fin, aucune de ces femmes ne sera vierge, tu comprends? Alors, dis-moi, où est la différence? Parce qu'elles sont toutes les mêmes. Écoute-moi très bien, Henry. Je sais très bien que tu es un vieil ami et tu essaies de me protéger dans tout ce que je fais. Mais je veux aussi que tu comprennes que j'aime cette femme. J'aime Hélène. Ok. Ok, pas de problème. Pas de problème comme tu le décides. Mon chéri, un message d'un contact de la Suisse. Il a dit que le ministre a envoyé de l'argent dans un compte anonyme. Et je suis à dire qu'il va nous envoyer les détails de ce message demain. Très bien, alors, je prendrai soin de cela. Mais comme je viens de te dire tantôt, là, il y a un gars stupide qui a tenté à voir ma tête hier au restaurant. Je veux que tu enquêtes sur cette affaire et que ces bâtards soient très rapidement retrouvés. Ok, je vais informer les gars. Je leur dirai. Alors, bonne nuit, mon cher. À toi également, Henry. Je veux à ce que tu sois là. Oui, s'il te plaît, ma belle. Je serai là dans les 10 prochaines minutes. Non, je ne te ferai pas patienter pendant longtemps, d'accord? Ok, je suis en route, d'accord? J'arrive. Oui. Alors, à tout à l'heure. J'arrive, d'accord? C'est bien. Mon cher, je venais de causer avec Josué. Bien. Il a dit que l'argent que le ministre a envoyé s'est réparti en 3 comptes différents. Alors nous devons chercher les projets du ministre de l'Environnement qu'il avait envoyé. Et les gens avec qui il exécute ces projets. Nous devons chercher le contractant. Alors c'est à lui que nous aurons les informations. Bon, d'accord, je le ferai plus tard. Josué a dit maintenant. Il veut ces informations pour contacter les propriétaires de ces comptes d'argent immédiatement. Je ne peux pas le faire maintenant. J'ai un rendez-vous avec Hélène et je dois partir maintenant, tu comprends? Je peux t'accompagner? Soit que j'appelle ces messieurs. Il s'agit bel et bien de ma maison, Henry. Et il s'est protégé. Ne te dérange pas, sois juste au portail. Mais mon cher, c'est cette affaire qui est importante. Tu dois engager ces messieurs dans cette affaire. Je souhaite que tu l'expédies rapidement. Il veut que je l'expédie rapidement, d'accord? Tu t'inquiètes beaucoup, Henry.
Est-ce que j'ai déjà fait une chose pareille avant? Hmm? C'est ce que je dis, mon cher. Ce travail particulier, je suis vu qu'il s'efface rapidement. Je crois que tu dois rester là pour garder mon bureau. Hélène, il y a une conversation que je voudrais avoir avec toi. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il un problème? Pas du tout. Tu seras d'accord avec moi que quand je prenais beaucoup de petites filles, oui, nous sortions, nous allions à des excursions, nous mangions, nous buvions, nous faisions tout ensemble. Mais tu vois, il arrive un moment dans la vie de l'homme qui se lasse de toutes ces choses et qui lui arrive de se stabiliser. C'est vrai ça? Tu parles comme un prêtre. Je peux le faire mieux. Hélène, veux-tu m'épouser? Qu'est-ce que tu veux donc faire? Veux-tu me posséder? Je suis sérieux, Hélène. Je veux être stable. Je veux avoir des enfants. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir une famille stable. Et je veux l'avoir avec toi. Sérieusement, Cross? D'ailleurs, je ne suis pas une femme mariable. D'après tout, tu ne me connais pas. Comment est-ce que tu veux m'épouser? C'est vrai. Alors, si je te connais pas assez, mais il y a une seule chose que je connais très bien. Et c'est que je t'aime. Je t'aime. Et je t'aime beaucoup. Je veux t'épouser. Écoute, je ne pense pas que je ressens la même chose que toi. Je ne pense pas que je t'aime jusqu'au point de t'épouser. Ne le prends pas en mal, je sais que je t'apprécie énormément. Mais se marier, c'est très compliqué. Je pense que je ne suis pas du tout partante. Je comprends. Je pense vraiment que c'est vraiment ce qu'on appelle l'amour, mais je pense qu'il y a un respect mutuel pour nous deux, la dévotion et prendre soin l'un de l'autre. Hélène, s'il te plaît, posons notre fondation d'abord et l'amour grandira comme des suites. S'il te plaît, accorde-moi une chance. Et alors si ça ne marche pas? Je sais que ça va marcher. Je serai un bon papa. Je promets de te rendre heureuse. Et je te promets une vie merveilleuse. Ok? Je sais très bien que très bientôt, tu vas regarder et tu remercieras l'Éternel pour ça. Tu ne sais pas combien ça signifie pour moi, Hélène. Tu n'en as aucune idée. S'il te plaît, accorde-moi cette chance. S'il te plaît, accorde-moi cette chance. Mais tu n'as pas encore répondu à ma question. Et si ça ne marche pas?
extraordinary lady. All I ever wanted, all I ever hoped for. You brighten up my life. You're my sunshine, you're my rainbow. Now the world makes meaning. Please don't ever leave me. All I have I give to you. You are beautiful. You're the one who makes my heart rejoice. And I love you. You are beautiful. I'll do anything to be your love. And I love you. Extraordinary lady, all I ever wanted, all I ever hoped for. You brighten up my life, you're my sunshine, you're my rainbow. Now the world makes meaning, please don't ever leave me. All I J'étais vraiment blessé. Honnêtement, je ne savais même pas que faire. Je ne pouvais que m'enfermer moi-même et pleurer, espérant que tu reviendrais à moi. Désolée, Steve. Je suis très désolée. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas te faire du mal. La vérité est que tu me manques énormément. Je sais. C'est juste que je sais que tu signifies beaucoup pour moi. J'essaie de voir si ça va marcher. Bye. Je peux te promettre que je ne t'oublierai jamais. Tu ne veux plus de moi apparemment, je me trompe. Je t'aime. Chérie, tu sais très bien que je t'aime depuis qu'on a commencé notre relation. Je t'aime aussi, chérie. Écoute-moi bien. Tu sais, ce gars est un gars très méchant. Ok? Et j'ai besoin de toi. Je veux que tu reviennes maintenant pour mettre en place la compagnie dont je t'ai parlé, ok? J'espère que je peux compter sur toi. S'il te plaît, je veux te rappeler un peu plus tard. D'accord, ok. Bye. Salut chérie. Qu'est-ce qui te dérange? Tu es triste. Je vais bien. Tout va bien. Écoute, Hélène. Je voudrais vraiment te demander d'oublier sur ton passé. D'accord? Et tout ce qui est lié à ton passé, tes amis et tout ce qui pouvait t'entourer. Tu es maintenant marié. Et voilà une nouvelle donne qui s'ouvre. Et je t'ai promis que je te rendrai heureuse, qu'il pleuve ou qu'il neige.
je te rendrai vraiment heureuse. Parce que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Ok. Je suis pas en fait ivre. Je ne suis pas de ces genres de personnes qui prennent de l'alcool et roulent le véhicule. Quelque chose qui me fera toujours du bien. Mais qui vois-je? Voyez-moi cette beauté. Chérie, je crie que tu parlais à quelqu'un. Oh non, un ami à moi m'a appelé au téléphone. Ok. Oui. Allez, viens là. Allez, viens par ici. Allez, viens là. Femme de ma vie. Mon cœur. Vas-y, tiens-toi un peu, je vais te parler. Tu vas me dire quelque chose à propos de ton anniversaire. Alors, que veux-tu que je fasse pour ton anniversaire? Quelque chose de bien. Quelque chose de bien, quelque chose de bien. Et si je t'achetais une voiture? Waouh, ça c'est merveilleux. D'accord, je prendrai ça pour toi, rien chérie. Que toi. Je t'achèterai une voiture, ok? Reviens ici, d'accord, bravo. Cross, devine quoi? Les gars qui avaient essayé de te tirer au restaurant, il est maintenant à notre portée. Et tu sais. Mais pourquoi pas? Où est-il? Comment l'as-tu fait? J'avais engagé un gars qui devrait enquêter pour savoir s'il y avait quelqu'un qui avait un contrat. Et il a bien fait son travail. Il est appréhendé. Pour le moment, il est à notre portée. Je veux le voir. D'accord. Eh ben, ça c'est le beau gosse qui a fait ce coup. Ok. Il est là, c'est bien lui. Ça alors? Alors, c'est quoi son nom? Vous ne connaissez pas son nom? Son nom c'est James. James. Écoute-moi, James. Regarde-toi. Tu es un gâchis total. Hein? Tu saignes de partout. Tu souffres. Tu ressens de la douleur. Et pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Tu aurais dit quelque chose, mon gars. Est-ce que tu sais que tu es un mort? Tu le sais? Alors, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Tu sais que tu es un homme violent. C'est un homme violent. Bien sûr. D'accord? Mais ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai à faire. Pourquoi tu t'es fait ça? Parle. Qui est-ce qui t'a envoyé? Hein? Tu sais qu'il n'a rien à foutre que tu sois vivant ou mort. Pourquoi est-ce que tu le protèges, d'accord? Tu le protèges, pourquoi? Écoute. Aussitôt que nous allons attraper ces messieurs, nous allons aussitôt les tuer. C'est sûr. Donc tu ne les protèges pour rien. Et pourquoi protèges-tu quelqu'un? Tu finiras par être arrêté. Et surtout par trouver la mort. Apparemment, il n'a pas besoin de vivre. Que mourir? Tirez sur lui 5 fois. Il n'a rien à foutre avec la vie. C'est d'accord, c'est d'accord. Parle, sinon je tire sur toi. Oui, parle.
Vite! Il m'a envoyé... Qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé? Parle vite, James! Il m'avait payé pour ce boulot. Et qui t'avait payé? Qui t'avait payé? Réponds vite à la question. Il s'appelle Gérard, monsieur. C'est Gérard? Cross. C'est Gérard qui t'avait engagé pour faire cette opération? Cross, Gérard. Personne avec qui on devrait faire les affaires. Si vraiment tel en est le cas, alors c'est le chef Daniel qui les avait envoyés pour faire ce contrat. Oui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Chief Daniel vient de toucher à la queue du lion. Il est temps pour lui de savoir si le lion est mort ou encore en vie. Il sera tué. Son corps sera la nourriture de vos tours. Pitié de moi. Thank you.
Est-ce Gérard? Exact, Monsieur Cross. C'est lui, Gérard. Salut, Gérard. Ravi de te rencontrer. Je suis sûr que tu es choqué de me voir. Après avoir été payé par quelqu'un pour venir me tuer. Je jure, je ne savais pas que c'était vous. Ah, tu ne savais pas que c'était moi? Ok, c'est bon. Voilà la terrible erreur que tu as commise. En fait, si votre tireur d'élite avait réussi à me tuer, ce serait très bien pour vous. Malheureusement, il n'a pas pu. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Honnêtement, je suis désolé. Désolé? Je ne veux pas te tuer. Je vous prie. Es-tu vraiment désolé de ce que tu as pu me faire? Honnêtement, je suis désolé. Très bien, je ne pouvais pas te tuer. Mais mes hommes le feront. Daniel? Salut, Chief Daniel. Bonjour, monsieur. Comment vous allez, Chief? Je vais très bien, merci. Monsieur Cross m'avait laissé un message pour toi. Oh, monsieur Cross, qu'est-ce qu'il a dit? Un instant, Chief. Chief! 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 Madame! Madame! Chief! On lui a tiré dessus, madame! Ah, ok. Patron, vous avez de la visite. Un visiteur? Oui, monsieur. D'où vient-il et que veut-il? Il a dit que c'est pour le compte domiciliaire des affaires ainsi que les transferts de fonds. Alors, envoyez-le vers les gestionnaires des clients ainsi que de leurs comptes. Je le fais, monsieur Ma. Il insiste juste pour vous voir. Il insiste à me voir, moi? Oui, monsieur. Ok, laisse-le entrer dans ce cas. D'accord, monsieur. Et tu es sûr que tous ces documents ici sont intacts? Oui, bien sûr, monsieur. Ok. Salut, monsieur. Alors, comment tu vas? La famille? Tout le monde va très bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je comprends que vous êtes venu parler en douce d'un transfert de fonds un peu spécial dans notre banque. Exactement. Je vais d'abord féliciter votre banque. Vous faites un très bon travail et vous avez été le chef du transfert de fonds. C'est vous qui l'avez fait. Un excellent travail alors. Oh, merci infiniment. Parlons précisément de business. Si je puis demander, en quoi puis-je vous aider? Tu sais, cette question me fait beaucoup rire. En fait, ça me fascine un peu. Ça devrait être
Comment je dois t'aider? C'est moi qui t'aide. En fait, le choix est au tien. Je suis surpris d'entendre cela. Mais sinon, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi vous faites allusion. Laisse-moi te dire ceci. Tu es sur le point de perdre ton travail. Ainsi d'aller en prison. Ainsi perdre tout ce pourquoi tu as travaillé pendant toute ta vie, et toutes tes propriétés et tous tes biens. Compris? Est-ce là donc un genre de blague ou quoi? Comme vous pouvez le voir, je suis un homme très occupé. Bien sûr que vous l'êtes, monsieur Robot. Mais pas trop occupé à transférer la somme de 4 millions de dollars dans le compte. Le compte à l'étranger du ministre de l'énergie. Mon ami, qui es-tu? Est-ce que ça explique qui tu es? Le nom de la banque. Le compte de la banque. Il y a là le numéro. Le détail du transfert. L'heure et la date. Et toutes ces données. Les détails du compte qu'il a réceptionné ainsi que les signatures. Je dois te dire ceci, monsieur Robert. La banque centrale ainsi que la commission économique et financière seront vraiment fiers de vous. Comme je te l'ai posé tantôt, comment va ta femme et tes enfants? Ils vont bien, comme je l'ai dit tantôt. Qui es-tu? Je suis tes gardes. Et ton pire cauchemar. Écoute, monsieur, j'ai toutes les informations pouvant te ramener à zéro. Tout tes biens, toutes tes propriétés seront retournées à zéro si seulement ces données arrivaient à la cour. D'accord? Écoute, mon ami, tu peux y aller et faire absolument ce que tu veux. Tu peux même faire pire que ça. Parce que moi, je ne traite pas avec des extorqueurs dans ton genre. Maintenant, si ça ne te dérange pas, va-t'en d'ici. J'ai dit sors d'ici! Très bien, monsieur Robert. Mes salutations au ministre des Justices et garde de Sceaux demain. Passe une bonne journée. Attends une minute. Ministre des Justices. Mon ami, qu'est-ce que tu veux au juste? Et comment est-ce que tu as pu avoir tout ça? Tu sais quoi? Alors concentrons-nous sur ta première question et maintenant que je suis au courant que cet argent a été transféré dans 4 différents comptes, un procès sera ouvert contre toi, d'accord? Et je te demande 500 000 dollars, faute de quoi cela sera vu à tous. 500 000 dollars? Est-ce que vous entendez parler? Je veux dire, c'est totalement ridicule, c'est beaucoup trop! Je n'ai rien à négocier, monsieur Robert. C'est soit à prendre, soit à laisser. Est-ce que tu m'as bien compris? Cet argent sera transféré dans un compte à l'étranger. Il s'agit bel et bien de la France. Il y a quelqu'un qui pourra les loger là. Une chose. Ne me fais pas venir ici pour une deuxième fois. Mes salutations à ta famille. Non mais ça c'est ridicule, totalement ridicule. L'honorable dame va m'apprendre ceci.
Non, je ne peux pas porter cette croix tout seul. Je peux pas. Oui, allô? Oui. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec le ministre? Oui, mon nom est Robert, de la banque de notre ville locale. Exact. Oui, ceci est vraiment très très urgent comme vous pouvez le voir. Ce gars. Ferme tes yeux. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore? Dis-moi, mais aide-moi à marcher, non? Et tout ce que tu dois faire, c'est fermer tes yeux. Et je veux que tu avances comme ça, d'accord? Ok, d'accord, nous y sommes arrivés. Alors, je veux que tu ouvres graduellement tes yeux. J'ai très bien dit graduellement, d'accord? Ok. Donc, fais-les lentement. Alors, qu'est-ce que tu vois? Wow! Mon Dieu, c'est de l'or, n'est-ce pas? Oui, c'est wow! Ah! Jésus, chérie, tu as dépensé beaucoup d'argent. Oui, tu as vraiment raison. Merci beaucoup. Et je t'en prie, chérie. Tu es tellement bon. Je veux que tu comprennes quelque chose. Et tu vois toutes ces choses? Et tu vois tous ces objets? Ça ne signifie absolument rien. Et ça ne veut absolument rien dire. Et ce qui importe pour moi, c'est la confiance. Alors je veux savoir s'il est possible pour moi de te faire confiance, pas faire confiance à mon argent. Ou à ma vie. Alors je te demande, Hélène. Et puis-je te faire confiance? Puis-je vraiment te croire dans ma vie? Oui. Bien sûr que tu peux. Tu sais qu'il y a quelque chose de très important que je vais discuter avec toi et c'est concernant mes affaires. Tout peut arriver. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu un problème? Oui, tu sais, personne ne peut les éviter dans les affaires. Et c'est inévitable. Et ça pourra venir. Mais quand le pire arrivera, je veux que tu puisses avoir accès à notre argent. De telle sorte que tu t'en sortes. Donc, je t'amènerai à ma banque demain pour qu'on prenne en compte ta signature afin que tu aies accès à mon compte. Et après ça, nous irons en Europe ensemble, toi et moi. Nous ferons la même chose en Europe. Que tu aies accès à mes comptes là. Est-ce que tu comprends? Alors, regarde Hélène, il est important que je le sache. Puis-je te faire confiance? Oui. Oh, mon cher, je veux dire, je n'arrive pas à comprendre. La situation s'empire, franchement. Mon cher, je sais que Rosa, c'est ta femme. Il n'y a rien de mal avec ça. Mon cher, tu as donné accès à ta femme, même à tes comptes qui sont à l'étranger. Ça dépasse vraiment mon imagination, mon cher, je ne sais pas comment le dire. Henry. Cross. Hélène, c'est ma femme. Je sais. Je dois l'enseigner à avoir confiance avant que je n'aie confiance en elle. Mon cher, il n'y a aucun mal avec ça, d'avoir confiance à ta femme. Le problème est que tu vois avec les choses trop vite avec cette femme. Et pourquoi donc? Ross, laisse-moi te dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient à leur femme et c'est tout à fait normal.
Toi, tu n'étais pas intéressé au mariage. Tu disais que tu vas te marier quand tu iras à la retraite. Voilà, tu as brisé cette règle, tu t'es marié et non seulement ça, tu commences à suivre les règles d'amour. Mon cher, essaie de réfléchir. Comme je te l'ai dit, Henry, Hélène, c'est ma femme. Nous sommes déjà devenus un. J'ai la croix. Et je suis parfaitement à l'aise avec ça. Ok. Pas de problème. Si tu le dis, il n'y a personne qui va s'opposer. Alors, est-ce que tu cherches un peu à savoir comment va ton fils? Oh oui. Comment va-t-il? Il va parfaitement bien. Il gagne beaucoup d'argent pour nous. Est-ce qu'il est vraiment sûr que nos yeux sont fixés de ce qu'il gagne? S'il vous plaît, je dois changer le programme sur la net. La police arrive. Vite, vite, je change le système. Ça va, continue à travailler. Alors, personne ne bouge ici, personne. Officier, comment vous allez? En quoi puis-je vous aider? Nous avons le droit de chercher d'arrêter toute personne ici. Pourquoi? On commence par toi, tourne, tourne, tourne. Pourquoi? Et tu seras tout là-bas. Allons-y, tourne. Ok, alors, vous êtes libre de faire votre prenez travail. Prenez tous ces documents et voyez, je voyez vous autorise, tout ce s'il vous plaît. Sont en train de faire. Je vous prie, allez-y, allez-y doucement, chers officiers. Voici ce qu'il y a, monsieur. Alors, toi là, où est votre chef? Notre chef n'est pas avec nous ici. Et qui dirige maintenant? C'est bien moi. Alors, tu viens avec nous, avance. Pourquoi? Et tu seras toi à l'office, allons-y. Monsieur doucement, non, non, calmez-vous, restez calme. Alors, s'il vous plaît, avancez, avancez vite, avancez. Ne dérangez pas les trucs là-bas. Voilà ce qu'on va faire, on va laisser tout le monde et on part s'il vous plaît, s'il vous plaît, restez avançons, calme avançons. Et continuez à faire votre travail, je vais revenir. Je vais revenir bientôt. Allons-y. Allez-vous-en. Ah, non, mec, c'est dangereux vraiment cette situation. Oui, allô, messieurs. Il y a des agents de police qui sont venus aussi et ils sont partis avec votre adjoint. D'accord, messieurs. Oh, très bien. Ouais. Oui, oui. Le chef a déjà parlé. Oh, il va revenir sans problème. Ce n'est qu'une foutaise. Une foutaise, en tout cas. Oui. Chérie. Merci. Et tu sais que tu dois arrêter de fumer. Pourquoi? Tu ne t'es jamais plaint pour ça. Oui, ça c'était jadis, mais pas présentement. Maintenant tu es une femme mariée. Et c'est cette partie de vie que tu dois arrêter. Du moins, fais-le pour moi. Mais tu fumes. Tu veux que j'arrête? Alors j'arrêterai. Ok, c'est bien. Je veux essayer. Excellente fille. Mais mon cœur... Oui, chérie. J'ai besoin d'argent. De l'argent? Mm-hmm. Ouais. Et qu'est-ce que je vais faire avec de l'argent? C'est personnel. J'ai besoin de 3 millions. C'est un peu ça.
3 millions. Qu'est-ce que tu veux faire avec 3 millions? Comme je l'ai dit tantôt, c'est personnel. Alors, vas-tu me le donner ou pas? Tu sais que je ne peux absolument rien te refuser, mais 3 millions, c'est beaucoup d'argent. Hein? Donc j'ai vraiment besoin de savoir, je dois savoir ce que tu vas faire avec cet argent. Veux-tu que je quémande maintenant? Je ne supplie jamais quelqu'un pour l'argent. Quand j'étais une femme libre, je prenais soin de moi-même. Et maintenant, étant ta femme, je dois te supplier pour l'argent. S'il te plaît. Étant ton mari, Hélène, je me dois de savoir ce que tu vas faire avec cet argent, Hélène. Nous ne parlons pas des 30 000, des 40 000 ici, d'accord? Bébé. Bonjour. Bonjour. Désolée de t'avoir fait attendre, s'il te plaît, mon amour. Je te comprends. Ce n'est pas grave du tout. Alors, je crois que c'est l'argent. Comme je l'avais promis. Wow. Steve, je ne veux pas que tu sois trop pensif, ok? Tu vois comment est-ce que je me bats pour que tu sois heureux. Bien. Comment vas-tu? Salut, Steve. C'est à ça qu'a toujours servi mon argent. Un homme super intelligent, Steve. Tu t'es mis à appeler du matin au soir ma femme afin de lui piquer de l'argent. J'apprécie ce deal. Sais-tu que c'est ma femme, n'est-ce pas? Et tu me connais. Bien. Bon, de toutes les façons,
je me dois de rappeler mon nom. Je m'appelle Cross. Et tu sais pourquoi on m'appelle Cross? C'est juste parce que je croise mes jambes à tout moment, d'accord? Tu sais, quand je te parle, Steve, tu dois me regarder. Tant mieux. Tu sais quoi? Tu sais que la prochaine fois que tu tenteras de voir ma femme, alors je t'ai pris de passer au cimetière. Et c'est le seul endroit où tu pourras avoir cette chance. Sors de là. Mon épouse. Pourquoi m'as-tu déçu de cette façon? À plusieurs reprises, je te pose une même question, si je pouvais te croire. Et tu m'as clairement dit oui. 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 Et maintenant, tu voles mon argent pour le donner à ton putain de concubin? Alors, tu dois être vraiment fier de toi. Alors, viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Pose-toi là-bas. Est-ce que tu peux m'expliquer le pourquoi de tout ceci? Peux-tu me donner une explication de toute cette bêtise? Hein? Il n'est juste qu'un ami. Je lui avais juste apporté mon aide. Et tu lui as apporté de l'aide en couchant avec lui et en lui donnant mon argent. Est-ce que tu es normal? Je ne couche pas avec lui. Il n'est qu'un ami et tu ne peux pas me stopper de voir mon ami, ok? J'aime bien ma liberté. Je t'avais dit que je n'étais pas intéressée par le mariage. Et qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre maintenant, hein? Qu'est-ce que tu essaies de m'expliquer? Tu passes tout ton temps pour voir ce gigolo? Est-ce que tu es normal? Écoute, Hélène, laisse-moi te dire ceci. Oui, il est vrai que je t'aime. Mais tu ne me connais pas. Je crois que cela ne se répétera plus. À la prochaine fois, j'espère que nous allons voir nos ancêtres ou l'un d'entre nous pourra le faire. Salut, poupée. Comment tu vas aujourd'hui? Jusqu'à quand continueras-tu de te comporter comme ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand continueras-tu de te comporter comme une étrangère dans ta propre maison?
tant que tu n'arrêteras pas que tes hommes suivent tous mes mouvements comme un fugitif. Tant que tu ne voudras pas que je rencontre mon ami. De quel ami sommes-nous en train de parler ici, Steve? Tu es une femme mariée, Hélène, et c'est moi qui suis ton mari. Jusqu'à quand continueras-tu à échapper à ton devoir conjugal à cause de ton ami, Steve? Steve n'est juste qu'un ami. Je ne couche pas avec Steve. Comment pourrais-je le savoir? Dis-moi, comment? Quand je t'avais épousé, et tout ce qui constitue avec Steve devait prendre fin, qui qu'il soit. Comment peux-tu oublier un ami que tu as connu il y a 16 ans? Ok, pas seulement Steve, alors mes autres amis. Depuis que tu as commencé à surveiller Steve, tous mes amis ne viennent plus ici. Je ne peux pas sortir sans ta permission. Et même lorsque je demande la permission, je ne dois que sortir avec tes gars-là. Ce n'est pas la vie que je désire vivre. Tu devrais avoir honte de toi, Hélène. Tu cherches à faire la tête à ton mari à cause de cet idiot de Steve. Ce n'est pas seulement pour Steve, Cross. Tu ne comprends pas, c'est pour moi. C'est à propos de ma vie. Je me sens comme une prisonnière dans cette maison. J'en veux pas. Je veux ma liberté. Je t'ai tout donné, Hélène. Je t'ai donné ma confiance. Je t'ai laissé avoir accès à tout ce qui m'appartient. Et c'est ça, la liberté. Et si pour toi, la liberté signifie que tu dois donner, dilapider mon argent comme bon te semblera, alors il est mieux que tu restes ici. Oh, Hélène, quelle surprise! Entre, entre. Comment ça va? Prenez place. C'est une très belle maison, ça. Merci. C'est quoi le plan? Tu m'as pas signalé que tu venais. Je suis venue te voir. Y a-t-il un problème? J'ai peur. De lui, je sais. Par rapport à ce qui s'était passé. Mais Hélène, tu sais que Cross t'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu faisais avec ces gars? J'ai connu Steve, ça fait très longtemps. J'en avais parlé à Cross avant notre mariage. Tu l'avais fait? Peu importe, sache-le, Cross n'aime pas ce genre de bêtises. Cross aime son mariage avec toi. D'ailleurs, il a confiance en toi et ça, c'est une bonne chose. Hélène, c'est quoi le problème? Dis-le-moi, nous allons trouver la solution. Dis-le-moi. Il t'a frappé à la maison, n'est-ce pas? Calme-toi. Je suis très confuse. Calme-toi, ne pleure pas. Je ne sais pas c'est si fini. Je préfère calme-toi. Vie. Celle-ci ou celle de la fois passée. Calme-toi d'abord. Laisse-moi te dire, tu es une femme bénie avec Cross. Ne t'en fais pas, tout passera et le calme régnera, ok? Mais je ne couche pas avec Steve, mais Cross ne me croit pas. Laisse-moi te dire, Hélène, ce qui est plus important est que Cross t'aime, c'est ce qui est important. Je peux avoir à boire. Je veux aussi la cigarette. Oh, non, Hélène. Cross t'avait interdit de ne plus y fumer, Alors, au lieu de fumer, c'est mieux de te donner quelque chose que tu peux prendre. Laisse-moi te donner quelque chose.
Tu fumes déjà? Ah, Hélène, est-ce qu'il faut fumer? Prends ça. Hey! Ah! Hélène, est-ce que tu es bien? Oui. Désolé, ok? S'il te plaît, je dois le nettoyer avec de l'eau. S'il te plaît, montre-moi où est la douche. C'est où? Oh, la c'est douche. De l'autre côté. Vers la gauche. Ok, merci. Alors, viens, ma sœur. Entre. Sens-toi à l'aise. Alors, venez avec moi. Hmm? Allô? Que signifie tout ceci? Bienvenue à vous. Qu'est-ce que je fais? Rien du tout. Bien, comme j'étais toute seule à la maison, je me tapais une fête moi-même. Veux-tu te joindre à moi? Tu sais quoi? Tu vas dans la chambre, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, tu m'as rejeté? C'est bon. Ma soeur, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé, mais je pense que tout va s'arranger. D'accord? Ça ira. Cyprien, je ne comprends pas ce que tu fais avec cette fille. C'est normal que tu aies des amis. Mais pas celle qui boit et fume comme un homme. Non, hein? Excusez-moi. Oh, mais je pense t'avoir demandé de rester dans la chambre, n'est-ce pas? J'avais oublié ça. Oh, bye. Jésus-Christ. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour toi, Cyprien. Cross, ça ce n'est pas bien. Tu dois vraiment arranger les choses avec Hélène. Qu'est-ce que tu essaies de me raconter? Tu sais quoi de me raconter vraiment? Elle se comporte de la sorte parce que je lui ai interdit de sortir pour voir quelqu'un d'autre. Je pense que tu es trop dur envers elle. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, c'est ma femme. Je la connais mieux que qui que ce soit ici. La liberté ne lui servira en rien. Je sais très bien de quoi je parle. Tu vas la garder comme ça jusqu'à quand? Ce n'est pas bien de la priver de sa liberté. Elle a quand même droit d'avoir un peu de la liberté. Si tu le fais, elle te reviendra dans tes mains et il t'aimera encore plus. Toi? Toi, mon meilleur ami? Et tu me demandes de laisser ma femme aller voir n'importe qui? Non, mon cher, pas du tout. Ce n'est pas vraiment ce que je vais dire, je te promets. Je la surveillerai pour toi. Je serai vigilant de tout ce qui peut courir derrière elle, je te le dirai. Ça suffit ce que tu l'as donné comme punition. Laisse-la un peu de la liberté. Je sais. Bientôt elle va se fatiguer et elle viendra s'excuser. Oublie un peu tout cela. Oublie-les. Elle changera. Allô? Oui, c'est moi, Hélène. Comment vas-tu? Hélène? Oui, je vais bien. Tu es déjà en route? Oui. C'est vrai ce que tu dis? Oui. Il avait demandé à l'un de nos hommes de te surveiller 24 heures sur 24.
pour savoir où tu vas, où est-ce que tu y es et qu'est-ce que tu fais. Dis-moi alors, où est-ce que tu vas? Je vais rencontrer Steve. Quoi? Hélène, es-tu folle? Je pars rencontrer Steve. D'ailleurs, même si ce gars lui apporte le message, ça m'est égal. Ils peuvent bien le faire. Je suis vraiment prête pour tout, même pour le divorce. Hélène, écoute-moi, je t'ai dit. Tu ne peux pas aller vite comme ça. Tourne ce véhicule et rentre à la maison. Maintenant. Écoute, Henri, laisse-moi, je te verrai un peu plus tard dans la soirée. J'ai un deal. Je promets que ça va bien payer. Mais pour le moment, je pars voir Steve. À qui tu parlais au téléphone? Oui, c'était l'un de nos garçons. Mm-hmm. Il m'a appelé disant que Hélène est à l'hôtel avec Steve. Hélène? Oui. Alors, Cross, je sais que cet acte n'est pas vraiment bon. Mais tu dois mettre en tête que, peu importe tout ce que tu as entendu, quand elle viendra à la maison, elle est supposée de faire ce qu'elle doit faire. Henry, ma femme est dans un hôtel avec un autre homme. Je sais. Peut-être ce rendez-vous à l'hôtel, c'est pour aller mettre fin à leur relation. D'où est-ce que tu viens? Je suis fatiguée de ce mariage, Cross. Je veux le divorce. Tu ne sais absolument pas ce que tu veux. Je sais ce que je veux. Et je sais ce que je veux avoir. Et cela, c'est le divorce. C'est... Cette histoire de mariage n'est pas à mon lot. Et rappelle-toi que tu avais promis que si un problème arrive entre nous, je peux partir. Donc les choses pourront bien marcher entre toi et Steve. C'est la raison pour laquelle tu t'es allé les voir à l'hôtel aujourd'hui. Pour le moment, je n'ai rien à t'expliquer, Cross. Tu dois rester là pendant que je te parle. N'ose plus jamais partir alors que j'ai encore mon... Enlève tes mains sur moi. Je ne te laisserai pas faire. Je ne laisserai pas tout ceci se faire comme ça. Que penses-tu que je suis? Penses-tu que je suis un idiot? Et tu penses que je laisserai ta stupidité ruiner mon mariage? Il n'y a pas longtemps que je t'interdis de le côtoyer. Hélène? Hélène? Reviens ici. The birds are flying higher.
Cross, nous devons traiter ce problème maintenant. Je suis appelé depuis la France. Compris. Cross, c'est quoi le problème? Tu n'es pas normal, tu es inquiet. Il n'y a absolument rien, je vais bien. Cross, aujourd'hui tu es très calme et tu as l'air très déçu. Cross, tu es assis toute la journée ici en train de fumer. Tu ne parles à personne et tu me dis que tout va bien. Dis-moi, Cross, c'est quoi les problèmes? Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Il s'agit d'Hélène. Qu'en est-il avec elle? C'est depuis hier qu'elle est partie de la maison. Et jusqu'alors, elle n'est pas trouvable. Je ne sais pas où elle est. Quoi? Elle a quitté la maison sans pour autant te dire où elle partait? Oui. Elle veut divorcer. Mais je ne me laisserai pas faire. C'est que tu savais très bien ce que tu faisais quand tu avais décidé d'épouser Hélène sans pour autant suivre mes conseils. Ce que je peux te dire, ne laisse pas tes émotions aller au-delà de ce que tu penses. Nous avons les affaires délicates qui nous attendent. Un simple chèque peut nous coûter la vie. Je ne suis pas du genre à abandonner les combats. Dis-moi, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire cette nuit? Ne t'inquiète pas du travail, je le ferai d'un moment à l'autre. Je m'en vais chercher Hélène. Réunis tous tes hommes. Je veux que vous mettiez tout en marche pour la retrouver. Je suis sûr qu'il est en train de te chercher. Dis-moi, quand est-ce que tu vas rentrer à la maison? La maison chez qui? Chez Cross? Je ne l'ai jamais aimé et il le sait bien. Alors je veux divorcer de lui. Mais il ne va pas accepter. Fais le nécessaire avant qu'il parvienne à éliminer ton type Steve. Il peut envoyer ses hommes pour les tuer, tu le sais. Voilà pourquoi je désire ton aide. Écoute, Cross a presque 25 millions de Naira. Et si je divorce de lui, cet argent va m'appartenir. Ça ne marchera pas, peu importe ce que tu peux faire. Même si tu vas au tribunal demander le divorce à cause d'infidélité, ça ne marchera pas. C'est là que tu dois maintenant intervenir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux la mort de Cross. Quoi? Tu peux le tuer pour moi. Est-ce que ta tête fonctionne normalement? Est-ce que tu réfléchis par rapport à ce que tu me demandes de faire?
je suis la deuxième signataire de ces comptes. Si seulement il mourait, j'aurais tout de lui. Tu auras besoin de combien? Entre le million et le naira. Et si je te donnais 5 millions de dollars? 5 millions de dollars? Tu me demandes de tuer Cross juste à cause d'argent? Juste à cause de 5 000 dollars? Oh, arrête s'il te plaît. Tout le monde est appelé à mourir, n'est-ce pas? C'est juste question de temps. Si Cross meurt maintenant, toi, tu auras 5 millions de dollars. Bien, 7, je donnerai 7 alors. Si Cross meurt après, je vais tout hériter de lui. Et toi, tu ne resteras avec rien. Alors, le choix te revient. C'est question de business. Henri, chérie, tu es un bon homme. Je veux dire, tu es un homme de business. Tu as toujours été loyal à Cross pendant plusieurs années. C'est toi qui fais ces business. Et tu gagnes quoi en retour? Des miettes. Alors que Louis s'enrichit toujours. Et je ne pense pas que c'est bien. S'il meurt maintenant, tu auras 7 millions de dollars. Et je jure que tu ne travailleras plus jamais pour quelqu'un dans toute ta vie. Donne-moi la cigarette. Donne-moi la cigarette. Oui.
monsieur, il y a quelqu'un au nom de Paul qui veut vous voir. Paul, faites-le entrer. Ça fait vraiment très longtemps que je vais voir ce garçon. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Où étais-tu passé depuis tout ce temps? Quel genre de personne es-tu? Je t'ai payé pour avoir des informations. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu la moindre information. Je ne peux pas venir, monsieur, quand je n'ai rien à vous donner. Tu ne peux pas venir quand tu n'as rien à me donner? Alors maintenant que tu es ici, qu'est-ce que tu as à me donner? Ne vous en faites pas, j'ai quelque chose pour vous. Et qu'est-ce que c'est que ça? Paul, en d'autres termes, j'ai perdu mon précieux argent sur toi. Parce que je ne sais pas ce que je suis supposé faire de toutes ces photos avec moi. La fille, c'est la femme des Cross. Et le monsieur, c'est le meilleur ami des Cross. C'est son assistant. Il fait toutes ses affaires avec lui. Attends une minute. Tu essaies de me dire que la femme sur cette photo-là est la femme de Cross et elle a une relation secrète avec son ami? Exactement, vous avez tout compris sur la photo. Vous avez compris, je vous ai apporté ce que vous voulez. C'est très futé. On va causer le trouble. Ouais. Maintenant, aucune personne ne doit connaître l'existence. M'as-tu entendu? Oui, monsieur. Et garde la surveillance. En je le ferai, monsieur. Ce sera tout pour l'instant. Merci, monsieur. Il sera en trouble. Allô? Bon après-midi, messieurs. Oui, entrez. Je pense monsieur Cross est là. Oui. Donne-lui ses courriers. Oui, je veux signer. Signe ici. Merci. Au revoir. Au revoir. Mon patron? Comment ça va? Je vais bien, patron. Il y a quelque chose pour vous. Sorte ces photos.
Cela a été livré par un facteur, monsieur. Ah! Cross? Où est-elle? Cross? Où es-tu en train de la garder? Tu parles de quoi? De quoi je parle? Tu veux savoir de quoi je parle? Tu me demandes de savoir de quoi je parle? Tu veux savoir de quoi je parle, n'est-ce pas? Oui. Attends, c'est de ça que je suis en train de parler. Qu'est-ce que je peux te faire? Henry, dis-moi que je te fasse quoi? Toi, par rapport à tous ces gens, mon ami le plus sûr, je passe ma vie avec toi. Nous buvons et fumons ensemble. Nous mangeons et mourons ensemble. Et par-dessus tout, j'ai pu te croire avec ma vie. Et tu te permets de me faire tout ceci? Tu m'as fait ça. Tu sais combien j'aime ma femme, Henry. Mais suis-je trompé, Henry? Tu es le premier témoin du jour de mon mariage, Henry. Cross, s'il te plaît. Elle m'a forcé de le faire. Ce n'est pas moi. C'est elle qui m'a forcé de le faire. D'ailleurs, elle m'a dit que tu es dans le processus de divorce. Donc, c'est ça. Où est-elle? Je demande de savoir où est-ce qu'elle est. Là, tu es caché quelque part dans cette maison. Est-ce que c'est caché quelque part ici? Je demande de savoir où est-ce qu'elle est, Henry. Cross, pardon, elle viendra te voir. Je suis désolé, elle viendra te voir. S'il te plaît, calme-toi, elle viendra te voir. Je suis désolé. Est-ce tout ce que tu as à dire? C'est tout ce que tu as à dire à ce cœur brisé de ton ami dont tu as couché avec la femme? Henry? Pendant que nous traversions notre crise. Tu sais très bien combien je donne de la valeur à mon mariage, combien j'ai tout donné pour ce match, et c'est tout ce que je trouve bon à me dire. Je veux que tu comprennes que, à partir du moment où tu as couché avec ma femme, sache que tu l'as fait avec moi. Tu as couché avec mes bébés.
quand tu couches avec ma femme, tu as couché avec ma famille tout entière. Et je t'avais fait confiance, Henry. Mais tu m'as trahi. Tout de même, j'ai toujours besoin de la voir. Salut. Ah! D'où est-ce que ça provient? C'est Cross qui t'a donné ça? Qui a eu ça? Qui lui a donné ces photos? C'est qui? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas du tout. Je crois qu'il travaille avec d'autres personnes à part moi. Hélène, nous n'avons plus de temps. Nous devons quitter ici maintenant. Si Cross te retrouve, tout sera terminé pour toi. Car il va nous tuer directement. Alors voilà pourquoi tu dois le tuer le plus vite possible. Un homme mort ne peut jamais te faire du mal. D'ailleurs, je ne saurais pas avoir tout son argent si seulement je n'ai pas de documents. C'est difficile de s'approcher de lui. Il n'y a rien que je peux traiter avec lui. Il n'y a rien que je peux faire avec lui. Si tu oses lui faire quelque chose de mal, tu seras arrêté par la police. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à le faire. Henri, nous devons trouver une autre manière. Parce que Cross doit mourir, ok? Je dois prendre quelques documents là-bas. Alors, je ne peux pas aller là-bas s'il n'est pas encore mort. Bien, alors, vas-tu le faire ou pas? Attends, je suis en train de réfléchir. Tu sais quoi? J'ai une idée. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Je sais ce que je vais faire. Bonjour, monsieur. C'est comment? Ça va, monsieur? Regarde-moi la tête que tu donnes. Je suis sûr que tu étais allé voir toutes tes vieilles femmes la nuit dernière. Ouvre le portail. I'm the
Bonjour monsieur, soyez à la une, ne ratez rien. Hey, qu'est-ce qui est à la une aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui est mort aujourd'hui, voilà. Alors. Et c'est vous. Monsieur, c'est fait. Tu l'as exécuté? Oui, monsieur, je l'ai eu. Une balle en pleine poitrine, comme vous me l'avez dit. C'est vraiment bien, c'est très bien ça, c'est bien. Vous avez entendu le bruit de la balle? Ok, ok, je vais bien te payer, ok? Merci, monsieur. Je vais te payer 2 millions d'Enera. Ok, monsieur. Mais tu dois quitter ce pays dès maintenant. Tu vas traverser dans le pays voisin. J'ai d'ailleurs mon passeport, ne vous en faites pas. Ok, est-ce que tu as le passeport? Oui, j'en ai. Je vais te payer maintenant. Par derrière la voiture. Ouvre le coffre de ma voiture, il y a une enveloppe qui contient 10 millions d'Enera. Tu la prends, c'est pour toi. Où ça, à gauche ou à droite? Fais vite, ouvre le coffre. Gars ne fait que commencer.
Ça, c'est une fois de plus un coup dur sur mon dos. Après avoir envoyé un garçon pour venir m'ôter la vie. Et toutes ces années que nous avons traversées ensemble. Apparemment, c'était une grave erreur de pouvoir te faire confiance. Malheureusement, tu as montré ton vrai visage. Tu devrais demander à ces garçons de me tirer une balle dans la tête. Hey Henry, n'essaie même pas. Je garderais mes mains si j'étais toi. Allez! Henry, laisse-moi te rappeler au cas où tu l'aurais oublié que m'appelle Kraus. On m'appelle Kraus parce que ceux qui cherchent à me barrer la route et se barrent doublement la route et finissent morts. Tu vois, je ne vais pas te tuer comme ça. Parce que je suis un homme de parole. Et quoi d'autre? Je ne trahis jamais mes amis. Je ne peux pas les tuer non plus. Sors de ma parcelle. Tu connais le chemin de la sortie. Allez, va-t'en. Sors! Allez, dépêche-toi. Allez, dehors, maintenant. Ouvre la porte et va-t'en. Hélène? Dans la maison. S'il vous plaît, déplacez-moi d'ici. S'il vous plaît, déplacez-moi d'ici. J'espère que tu es prête à le recevoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde ce qui t'arrive. Ah! Ah! Oh! Amenons-les. Très rapidement. Ça a vraiment senti mauvais. Tu t'es arrangé avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Pour me tuer. Après avoir couché avec lui. Je t'ai ouvert un moment d'Hélène. Je t'ai donné mon amour. Et beaucoup plus. Je t'ai fait confiance. Mais cela n'a pas été suffisant pour toi. Et tu voulais quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne pouvais jamais te donner. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit,
je te rendrai toujours heureuse. Et si c'était partir que tu voulais, alors je te laisse partir. Va vivre ta vie en paix avec Steve. C'est ce que tu as toujours voulu. Va-t'en, Hélène. Tu sais que je déteste de pouvoir toujours me répéter. Hélène, le dossier. Par il n'y a pas d'argent. Tu m'as dit que tu avais accès à son compte qui compte des plus de 25 millions de dollars. Mes plans ont échoué. Je ne comprends vraiment rien. Mais tu as dit que tu avais contacté quelqu'un pour le tuer. Il a aussi échoué. Oh mon Dieu. Maintenant, Cross a tous les documents en sa possession. Je suis chassée du mariage. Ben, regarde le bon côté maintenant. Nous pouvons maintenant recommencer notre vie. Maintenant que nous sommes ensemble. Commencer quelle vie? Alors ma poule, il n'y a pas de vie sans argent. Ne comprends-tu pas cela? Toi aussi, qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas que j'avais déposé l'argent dans ton compte, hein? On peut l'utiliser pour quitter ce pays et d'aller vivre ailleurs. De quel argent est-ce que tu parles, Hélène? 10 millions de liras. De grâce, que veulent dire 10 millions de liras comparé à la somme dont on parle? 25 millions de dollars. Oh, voyons. 10 millions de liras, c'est l'argent. Ok? C'est comme si tu as dépensé cet argent. Attends, as-tu dépensé cet argent? Qu'est-ce que... Attends, Steve, qu'as-tu fait avec l'argent? Juste, regarde bien ceci. Hélène, j'ai utilisé cet argent pour prendre soin de moi-même, ainsi que de ma famille. Quelle famille? Hélène, je suis marié. Tu blagues? Tu es marié? Oh, désolé. Attends, je vais. Lâche-moi. Qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Mon ventre. Hélène. Hélène. La boisson que tu viens de prendre était empoisonnée. Quoi? Allons, bébé. Je viens de... Ne touche pas. Je te souhaite bon séjour en enfer. Allez! Allez!
Monsieur Steve, on est c'est là. Quoi ça? On vous doit encore chercher. Qu'est-ce que vous voulez? Hey, les gars, laissez-le tranquille. Il n'y a pas de soleil brillant s'il n'y a pas eu de la pluie. Il n'y a pas non plus de joie et sans qu'il n'y ait eu de la douleur. Les deux pôles de la vie ont été égouttés. Et me voici ici, en plein repos. Dans un jeu comme celui-ci, il n'y a que des fous qui peuvent faire savoir aux autres ce qu'ils pensent. Content que je sois toujours vivant, espérant de ne jamais reprendre la même erreur. Et telle a été mon histoire. Je m'appelle Cross. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. On the west side, here is where I belong. The trees are getting greener, the birds are flying higher on the west side. Aforevo TV. Enjoy various genres of entertainment programming from the comfort of your home through our satellite-delivered channels in your favorite languages: French, English, Swahili, Twi, Igbo, Hausa, Yoruba, and so on. Aforevo Dubbing Services. With the largest number of dubbing studios in Africa, we can help you dub your videos to major languages in Africa: Swahili, English, French, Yoruba, Hausa, Igbo, Wolof, Zulu, and so on. Aforevo YouTube, the largest YouTube partner in Africa, with over 500 channels of top African entertainment and millions of eyeballs daily, we help thousands of video creators make money on YouTube. Aforevo, the revolution is on.